Et salut à tous, c'est Travel003 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'étente sur KSP. Tout simplement. Qui n'y ait pas de torpille. J'avais largué de torpille par la bombe Navies. C'est mon frère Élision. Donc, un avion que j'ai fait, vite fait, avant de commencer la vidéo. J'aime bien la forme en bas. À voir pour le reprendre, quoi. Enfin, j'aime bien. Donc, ouais. Ah là, l'avion. On démarre. Peut-être que je retire les freins. Ah, vous voyez la puissance en haut à droite. Hein. Voilà. Il y a besoin de pas mal de vitesse pour décoller. Parfait. L'avant là c'est juste pour maintenir le nez en l'air. C'est mieux que rien. Ça donc voilà. Voilà, on produit à peu près du 200 kg de tonnes. Je dirais. Comment tourner? Simplement, on penche l'avion. Et il tourne de lui-même. Par contre, ok, bon, je vais essayer de tourner. Alors, je peux faire entrer l'avion en vrille super facilement. Je vais pas le faire parce que je me suis qu'à une borne 5. Et que je vais me rattraper quand je suis à une borne 3. Je précise, mais bon. Vaut mieux pas. Accélération rapide. Vous savez quoi, je pense que je vais aller faire. On va aller atterrir. On va retourner au Space Plane Hangar. Faire un autre truc du genre avion. Alors. Bon, pas faire grand chose. Ah oui, j'ai perdu le train avant. Voilà. Non, moi d'ailleurs, il y a des torpilles. Hein. Donc, Space Plane. Space Center. Pas Space Plane. Alors. Donc il est là. Wow. Space Plane Hangar. Parfait. Alors. Voilà. Donc. New. Non, y a pas. On peut faire ça plus petit. Donc, si on prend ça. Voilà. Puis. Alors, on va sûrement mettre des moteurs ici, mais pour l'instant, on a juste ça de côté. Donc, on va prendre des ailes. Celle-là, quoi. Ah là, ouais, pas mal.
Voilà. Essence. Et mince, j'ai fait celui-là. Bon, voilà quoi. Hop, un peu penché. Voilà. Parfait. Voilà. C'est le meilleur truc que je puisse faire. Comme ça, on a le truc à l'air qui se retourne. Et on a directement les moteurs au bon endroit. Ça va directement. Ouais. Donc. Voilà. Voilà. Ça, j'ai de la place pour quelque chose d'autre ici. Et là. Oh, je fais ça d'une autre manière. Directement. Hop. Je reprendrai peut-être un nouveau. Parfait. Et alors ça, bah, tout simplement, on reprend. Et voilà, mieux peut-être. Mettre mieux. Voilà. D'ailleurs, bon, alors là, on va faire un peu de parlotte. Au niveau de Air Games, ça avance toujours bien. Je veux dire, il n'y a pas de nouveaux problèmes. Il n'y a pas de problème. On a déjà eu bah, des nouvelles personnes, des nouveaux gradés. On a pas de nouveaux gradés, mais je veux dire, on est en train d'avoir des nouveaux gradés, quoi. Ça devrait très vite arriver. Donc là, on attend. Plus que la réponse de Prodeo, il devrait être positif pour la plupart. Alors, on peut péter. Ça passe, ouais, voilà. Alors maintenant, il faut faire ce qu'on doit faire, la fin de ça. Là. Alors, hop. Être super pratique ça possible bah, mais bon donc on descend à la bonne hauteur on fait ça allonger le truc parfait ça faut peut-être que je le rentre un tout petit peu voilà et donc on va tout aplatir tout simplement. Voilà. Parfait. Et ça y a tout de suite la pente.
voilà. Donc, ici. Alors. Simplement mettre à mon avis cela. Hop. Ça passe. Donc alors. Falloir solidariser tout ça. L'autre côté. Parfait. Alors, également en haut. Voilà. Donc, il y a deux, il y a deux trucs différents. Voilà, ouais. Par contre, il y a un petit problème ici. Alors, pour ce problème-là, comment le résoudre? Ça ramène. Voilà. Voilà. Va s'appeler le A3. Il va s'appeler le A3 et c'est pas mon pseudo. Hein. Je précise donc. Alors. Hop. Voilà, donc on peut tourner ça un tout petit peu. Parfait. Et voilà. Et donc, ici, tout simplement. Voilà, et en plus, ça va pousser. Ça va faire monter un peu là, ça va pousser. Ouais. Ça devrait être pas mal, ça. Par contre, il faut juste faire en sorte que ça tienne à l'autre côté. Et même côté également. Voilà. Voilà, par contre, après, il faut fermer tout ça. Alors, ce qu'on peut faire, ce n'est pas difficile. Tout simplement. Donc, ici. Là, parfait. Tout simplement, on le remonte maintenant pour qu'il atteigne ici. Et donc là. Donc on met ça comme ça. Et on le ferme. Voilà. Ça, c'est vraiment super bizarre maintenant, cet avion. Ok. Ellipse le temps que je finisse un peu tout ça, au moins à l'arrière quoi. Oh tout le monde donc. Voilà à quoi ça ressemble maintenant l'arrière. Ça semble strictement bizarre. Mais ça devrait marcher quoi. Et si on y arrive, on changera les moteurs et on ira dans l'espace. Si c'est largement assez puissant. Donc maintenant, il faut mettre les ailes. Petit ça.
Donc, tout en bas, on va prendre ça. On va prendre ça qui va être tourné. Donc, voilà. Hop, hop. Voilà. Ça ressemble strictement à rien. Peut-être que on relève un tout petit peu. Pour que ça ressemble encore à vraiment rien. Mon Dieu, alors juste pour savoir. À mon avis, en fait, il est plus par ici, quoi. Ouais. Donc, yep. On va juste vider quelques fuel. Le truc de fuel. Voilà. On va mettre les ailerons. Exactement bien les rentrer, les mettre parfaitement. Pas super pratique. Moi, il n'y a qu'à le mettre une seule fois. Voilà. Mais là, il n'y a plus qu'à l'aligner exactement. Bien aligné. Alors. Alors, ici. Alors là, voilà. Parce qu'en fait, le truc c'est qu'à l'arrière, il n'y a pas beaucoup d'espace de vide, quoi. Donc, MK0. Voilà, ça devrait passer, je pense. Et ce sera vu dans les premiers vols, de toute manière. Et après, on a pas mal de contrôle. Dire relativement parlant. Normalement, hein. Contrôle ou quoi. C'est juste un gros bordel. Alors. Donc. On va déjà mettre ça. Et en plus on va laisser aligner ça comme ça, mais il faut le retourner. Voilà, elle les aligne. C'est déjà bien aligné, c'est bon. Voilà. Ok, alors là il y a déjà un problème. Comment tout un problème d'alignement. Voilà. Devrait passer donc. Alors, on va tester la manœuvrabilité. Voilà. Et alors, ouais, avoir limite pour le mettre un vide sans moteur Vettel quoi. Donc. Voilà donc, ça ressemble strictement à rien. Espérons que ça va marcher. Ouais, ça on verra bien les résultats, je trouve. Bon. Bon. Ah oui d'accord, il y a tellement de trucs que ça ralentit l'avion.
sera. Faut vraiment que j'arrive à le faire décoller au moins. Oh! Ok. Wow! C'est pas un avion qui est volé, ça. Et en plus, il est lourd. Bien, bon, on va faire sortir les singes. C'était juste qu'il est rien aligné, quoi. Bon, ouais, on va ça vraiment. Recrafting. Alors. Wow. Ok, ça veut strictement rien faire. C'est pas vraiment le style d'avion qu'on ferait normalement. Prévenu. Wow. Ça c'est moi. Ok, alors ça, on va y remettre ça à 100, 50. Bon, on arrive à l'arrêter maintenant, ça. C'est pas, on peut pas faire voler ce genre d'avion. C'est trop bizarre. Ça ressemble un peu à un F4. Bon, ça veut vraiment pas voler. On va faire autre chose. Un F4 fantôme, ça me pourrait très bien. Ça pourrait très bien passer, quoi. New. Alors, le F4. Attends, il va là, le F4. Pas trop difficile à faire. Voilà, parfait. Voilà, donc, si je me rappelle bien, je me rappelle bien, voilà. Là, ça va être comme ça à peu près. Ouais, peut-être le remettre un peu plus à l'arrière. Enfin, ça peut toujours l'avancer, quoi. Ouais, on peut l'avancer. Voilà. Ça passe. Rien, mais ça passe quoi. C'est pas aussi loin, ouais, deux, ça sera largement. Ça fera l'affaire de. Hop, voilà. Le type B. On va utiliser les scimatars parce qu'on peut aller relativement vite avec eux. Un truc vertical. Deux trucs relativement horizontal. Mais si on se rappelle bien, ça penche un tout petit peu vers le bas. Un peu. Voilà. Les ailes. On va essayer de faire un truc. On va essayer de faire rendre bien cet avion, quoi, pour une fois.
Voilà, alors le mot ici. Ça regarde exactement la même pente ici et là. Et voilà. Ouais, c'est pas du tout le F4, mais ça ressemble quand même. Voilà. Hop. Ça va partir. Ça peut partir. Ouais. On va plutôt directement passer ça comme ça. Voilà. Ok, voilà, donc il y a quelques problèmes déjà. Des petits comme ça. Ouais, ça devrait passer. Devrait. Voilà, donc. On va utiliser un truc avant. Utiliser cela. Voilà, c'est bon. Et pas sûr qu'on peut mieux. Des aérofreins, je dirais. Pour faire de très bons. Celle-là. Voilà. On peut un peu plus les rentrer dans l'aile. Parfait. Donc. F4. Non. Alors, déjà. Brakes. Deploy, deploy 1. Voilà, et alors ça évidemment, faut qu'on désable tout ça. Parfait. Donc évidemment, ça, je sais pas si c'est le sens, mais bon. Donc, le train d'atterrissage, on va faire assez léger. Même si normalement il devait supporter des trucs relativement lourds. Voilà. Et si le relativement ici il est un peu optimisme. Optimiste quoi. Donc, ça y est, on lance. Donc, voyons voir un peu ce que ça fait. Oh tout le monde. Espérons que ça va pas s'écraser, on va pas s'écraser cette fois. Non. Ah, faut peut-être que. J'ai un hack. On accélère vraiment lentement. Ah bah tout de suite, ouais. Mon Dieu! C'était quoi ça? Ah ouais. Oh, ouais. Ça aime pas le train d'atterrissage à l'heure actuelle. Update. Ouais, lancer à plus en puissance. Simplement par base qu'on va gérer ça. Ah bah. Ça passe quand même, je pense qu'il vaut mieux. C'est mieux que rien, ça passe. Attention, alors, on poule. On va laisser pas ce radius.
C'est quoi ce radius de virage de merde? Mon dieu. Faut qu'il soit plus rapide. Ah, et plus manœuvrable surtout. Bah oui, il a une bonne vitesse. Alors bon. Vitesse. Alors. Faut lui faire perdre de la vitesse. Par contre, là, on est mal. Parce qu'on va pas rentrer à une bonne. Ah bon truc. 20 mètres. Wow, il est vraiment manœuvrable à basse vitesse, quoi. Ah bah ça aime pas. On a atterri, quoi. Yo. Eh, voilà. On reste comme ça. Voilà. Bon, ça aime pas. Et si on faisait directement un bateau, plutôt? Petit, par contre, hein. Pas faire un bateau géant, quoi. Pas là-dedans qu'il faut aller chercher, là-dedans. On peut pas faire destroyer. Ouais, je dis géant, ça c'est la taille des avions que je viens de faire, en fait. Pas faire trop long, je pense. On va pas faire une classe précise, on destroyer, hein, je précise. Voilà. D'ailleurs, ouais, non, vous n'avez pas marqué, mais c'est vrai qu'il en fait un an que on a des vidéos sur KSP. On a qu'à la 7e, vous vous dites, ouais, 7e vidéo sur KSP, quoi. C'est vraiment une minorité de mes vidéos sur KSP. Donc, voilà. Ça, alors. On va gérer ça plus tard. Mais donc, ici, mettre un truc pour retirer bah, la fumée, quoi. La fumée, tout simplement. Ce que j'ai l'habitude de faire, il faut un truc comme ça. Et on penche. Hop, voilà. Et voilà, il passera bien. Parfait. Donc, maintenant, des webs, des trucs. Alors, il y a un bus de 10 cm. Juste ça, c'est. Genre, ça, c'est plus puissant que ça, quoi. C'est quand même visible. Donc, voilà, on garde pour l'instant ça. 12,7. Voilà, 14 cm. Ça c'est plus beau. 15, 15. Eh ben non, j'ai pas la place. Il n'y en a pas la place, c'est un croiseur. Ça fait 12 cm. 50, je sais pas, non, je pense pas. Wow, un peu trop grand ça. Toujours trop grand. Regarde, parce qu'en fait, ça monte 9 cm. Nul. 13. 12,7, on a dû. 13,8. Non, parce qu'il faut que ça baille là-dessus. Donc, ça fait trop grand. Ok. On fait un truc du style la Seconde Guerre mondiale, tout ça là maintenant, voilà. On va également avoir, à mon avis, ça qui va partir. Voilà, mais en fait, les arguments ici, c'est que ça va être beaucoup trop long. On va directement virer ça et on va remplir, mettre les deux ensemble. Là, ça va être un truc relativement bien armé. Ouais, 10 obus par lancé. Ouais, pas mal quoi. 10 obus, juste. Limite ça. On met plus à l'arrière ici. Mais ça passe quoi. Limite, mais ça passe. Deux moteurs parce que sinon il est vraiment pas assez bien manœuvrable, il fout de la merde dans ce qui est autrement, quoi. Et alors pour conduire tout ça il faut un truc dans le bon sens. Donc ça ramène tout
simplement à l'avant ici. Ça va en faire ce truc qui va juste être directement dans le bon sens. Il faut qu'il soit attachable et qu'on voit directement si dans le bon sens quoi. Il n'y a pas beaucoup de choses. Ouais, non, ça peut pas. Non, alors. Il y en aura bien au moins un, je dirais. Utiliser ça. On va le faire à l'avant. Comme ça. Là, ça peut faire, il est parfait. Donc, ça, un petit, ça juste. Alors, également, il faut également qu'on ait un système de radar lock. Ça l'a vite fait, mais pour l'instant, ce qu'on veut, c'est plus bas. Ouais. Voilà, donc on va faire D1. Parfait. J'ai jamais fait ça. Un petit creux qui a bien ici. Ouais, alors. Ça. Mince. Alors, déjà tout de suite, on retourne ça. Et vous dire, mais je suis con ou quoi? Je fais là, je fais n'importe quoi. Non. Poup. Voilà. Voilà, c'est bon, il n'y a plus de bordel. Maintenant, bah, je passerai sûrement plus par ici. Tout simplement, là. T'as gagné une graine. Et évidemment. Voilà. Avec. Il va être puissant. Par contre, qu'est-ce qui manque encore à ce destroyer d'après vous? N'avez où vous cherchez, vous trouvez pas. Est-ce que c'est. Je cherche un spécial, un truc. Oh, j'aurais bien pu utiliser ces canons-là. 2538. Ouais, ça aurait été plus petit, donc moins puissant. Voilà, quoi, c'est moyen. Parfait. Ah. Torpille. Et moi, je dis honnêtement, ça peut partir. Voilà. Donc, on en a 4. On va utiliser des tables type 15. Elles sont moins puissantes, ouais. Et honnêtement, elles font un peu meilleures. Je veux dire, elles ont moins d'espace. Voilà, on voit les 4 torpilles. Eh bien, save. Launch. Ok, comme ça. Ouais.
là, forcément. Mais attention. Ah, j'aime pas à quoi ça correspond, c'est de la racine de. J'aime pas à quoi ça correspond. Donc voilà, ellipse. Re tout le monde, donc voici le bateau. Voilà, quick saving. Donc on fait une petite save. Alors, pas les tester. Wow! C'est plus du croiseur. 35 bornes, eh ben. Alors, si jamais ça mesure à 180 degrés, hein, je précise les tourelles. Les 4 tourelles. Ok, donc, alors, habituellement, les bateaux seront plus visés comme ça, quoi. Et là, j'arrête. Mais juste un simple lupin. Là, sont appuyés. Ouais, voilà, c'est bien. Bon, pas mal. Et marque 15, bah, en fait, c'est assez rapide au moment des torpilles. En fait, ça va tomber sur le bateau, quoi. Ça va être moyen, mais bon. Peridite, Shepland, 7 current. Ah, mais c'est ici, je mets un 9. Ça. 5. Landing. Parfait, donc, on peut virer ça. Là, on va largement assez rapidement. Donc, module. Pas mal. Alors, donc. On a mon US Sunken Radar. Et un Warning. Donc voilà. Je fais toujours. Donc, manque 15. On vise. Ah oui, allez, d'accord. Voilà. Donc. Mon Dieu, ça c'est de la manœuvrabilité. Comment on va aller après? Pas loin de bateau. Wow, elle passe devant. L'objectif c'est d'être plus rapide que la torpille. Et on peut. Ah, il n'y a plus de torpille. Où on l'a passé? Là-bas. On fait du 200 km/h, quoi. Donc on a le KSC qui est là-bas. Oh, une idée, on va faire la course limite. Par contre, non, on peut pas toutes les prendre en fait. Il faut quand même accélérer pour aller plus loin. Je veux dire, on a 60 000 kN à l'arrière.
Donc on a pas quand même les dedans. Les trucs devant là, voyez. Oh. Oh, les torpilles sont lockables. Slave turret. Alors, on va tirer dessus. Là, on les a loqués. Voilà. Broadside et simplement unsafe turret. Voilà. Par contre, là ça va être moyen. Parce qu'on arrive à raison. Oh, j'ai fait, j'ai été sélectionné, mince. Le canon qui foutait la merde. Bah, je veux dire, on a plus de torpilles. Oh, torpilles là. Torpilles navantes, je pense. Par contre, là, on arrive. Attention. Là, on fait bien du 200 km/h. Hein. Là, tourne. Là, on tourne tout à l'heure. 10 bornes. C'est à peu près statique dans l'eau là. Je dis rien. C'est vrai qu'on voit limite au niveau des mines. Alors, voilà, c'est bien. Wow! Oh là, je suis allé un peu rapidement. Ah, peu de contrôle. Mon Dieu. Regardez la vitesse. On allait à Mach 1. 1000 bornes à l'heure. On a accéléré à 1000 bornes à l'heure. Les giga que les cerveaux doivent se prendre. Bah, honnêtement. Voilà. Mince. Bon, bah. Plutôt on remet ça ah, on va alors on avait quick save ship plan landing donc Alors, ouais. Déjà désiré. Ouais, bon. Donc. Oui, donc on va être en fine-tuned controller. Voilà. Ça va donc être plus dur, en fait. Donc, alors déjà. Je suis comme ça déjà quand il y a des torpilles. Donc, on démarre les moteurs. Pas aussi vite. Ça, c'est Ah, parce que je vais devoir tirer.
Parfait. Attention. Donc, vous voyez, peut-être là, c'est son on va en fait, hein, si jamais. C'est notre direction. Oui, on n'a pas de temps. Alors attention, torpille, je me ramène. Ah, c'est rapide, les torpilles. Il n'y a plus de croix. Ah si, la quatrième est là. Oh! On les a passés. Bon, je veux pouvoir être redirigé sur leur course. La logique, c'est de faire taper par une torpille. Oui. Mince. Elle est passée en dessous, la torpille. Bon, bah. Donc on va essayer de recharger et cette fois on va lancer des torpilles à 1 seul mètre de profondeur. Et on va bien tirer. Beaucoup plus bas. Alors. Voilà. Mon idée c'est de me faire des par les grosses torpilles. Voilà mon idée. Pas une bonne idée mais voilà, ça marchera bien. Hop, donc TWS Locking. Alors, ship lander, landing. Parfait. C'est bien bon. Alors, marque 15. Donc, en fait, on va aller lancer par là, je dirais. Voilà. Oh. Ouais, alors ça aussi va être bien, parce qu'on va pouvoir les voir en plus. S'appelle un fail, ça. Bon, maintenant ils sont beaucoup plus visibles. En train de se rapprocher, quoi. Ah non, ok. Le radar en plus. Ouais. Et donc, voilà les torpilles. Attention.
Ah bah. Tout simplement, là, on va arrêter les moteurs. Voilà. Alors là, ça va pas être super bien. Et je pense que oui, je suis largement à 1 mètre de profondeur. Oh! Oh! Là là! Direct dans le cul! Ah non, c'est bon, ça là va me taper normalement. Ouais! C'est une deuxième! Ouais! Alors. Oh le message! N'importe quoi. La dernière, il faut que j'arrive, je t'avoue. Ah, elle est là, ok. Faire des 7 contre un croiseur. Attention. Or. Désolé, c'est pas trop drôle. Là. Attention. Je vais pas être, je vais pas, je vais être loin quoi. En train de changer de direction. Je vais mettre les moteurs qui nous aident là-dessus. Plutôt, je laisse passer devant la torpille et je vais rentrer dedans. Ah, pas elle a pété. Ah, bah là, overheated. Voilà. Deuxième accélération, rapport de vitesse. Puis on va faire un cuirassé. Ouais, plutôt, moi je vais le faire. Bon, allez. Première partie de la vidéo, on avait fini, j'en fais une suivante.